Je le souhaite ardemment. Mais je sais qu'il y a encore des foyers d'infection en Île-de-France. Donc, ce que je dis au gouvernement, c'est que je suis prête à assumer des mesures de vigilance renforcées si nous passions en vert en Île-de-France. Je pense évidemment au port du masque obligatoire dans les transports en commun jusqu'à la fin de l'épidémie. Je pense aussi aux règles de distanciation physique qui doivent s'appliquer dans les transports, au filtrage des personnes qui prendront les transports en commun, au maintien de l'attestation employeur qui permet de réserver les transports en commun à ceux qui vont travailler, au lissage des heures de pointe, au maintien du télétravail. Donc, nous sommes prêts à nous contraindre davantage, mais c'est vrai que nous avons envie tous que l'activité reprenne, nous avons tous envie aussi que les parcs et jardins rouvrent, tout ça sous surveillance et avec la prudence nécessaire.